Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Fort, tout devient blanc. Fabrique. On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Aloy, tu es là. Mais tu te rappelais pas qu'on devait aller chasser ce matin? Si, je m'en souvenais. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr, tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé, ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Oh. Grata la félie ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande, si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Grata suit le règlement. Son silence envers nous est normal, ne le prends pas mal. Puisque tu le dis... Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy... Cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord.
quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. M'écorche. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau.
neige est glacée par ici. Ça me crispe toujours.
Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme, incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé? Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Come on.
Eh oui, c'est encore la paria orpheline. Allez-y, régalez-vous. On sait jamais, ça peut servir. Ah!
J'en aurai besoin. J'avais besoin.
Je fais des réserves. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias ? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais ? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. Pourquoi tu prends ce risque ? Bosser avec les parias ? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça ? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai vu et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça, j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Que tu t'es trouvé un lance. J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire.
Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Je ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Le voilà. Pile où il avait... Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire.
Suis le sentier. Ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui me le... Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie? Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Je peux le vaincre. Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Mmh.
Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? Pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Doucement, doucement!
ça vite. Je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Noras, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours. Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non ! Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un paria. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Je vois. Je suis heureuse d'avoir ceci. Ça me fera penser à toi. Tout ce que tu as fait.
afin que je sois prête pour ce jour. Merci. C'est plus lourd que ça en a l'air. Mais ça tiendra. Que la toute-mère te protège. Toi aussi. Comment il a pu me faire ça? Un jour comme aujourd'hui. Je dois me concentrer sur l'éclosion. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arriverai jamais à me faire remarquer. Alain! C'est bien toi, hein? Peut-être que je me lève, mais je suis pas sûr. C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une... ...que... de ce que tu portais. Chaque tenue... avantages et ses inconvénients.